Nicolas aux éditions du Bastberg. Écrit par Jean Claude Baudrou, illustré par Emmanuel Pereira. Trois petits enfants s'en allèrent glaner dans l'espoir de ramener à leur maman un plein panier d'épis dorés. Ils ramassèrent tant et tant d'épis, ils traversèrent tant et tant de champs qu'ils perdirent leur chemin. Profonde et angoissante, la nuit les engloutit. Tout à coup, une faible lueur apparut dans le lointain. À travers ronciers et taillis, ils coururent vers elle à en perdre le souffle. S'il vous plaît, ouvrez nous. Nous sommes perdus. La porte grinça. Un homme apparut qui portait un immense tablier taché de rouge. C'était le boucher. Entrez, entrez, mes chers petits. À peine étaient-ils entrés que le boucher les a tués. Avec son grand couteau, il les a tranchés en menus morceaux qu'il a mis dans son saloir pour les conserver comme du lard. Folle d'inquiétude, la maman attendit le retour de ses trois petits. Dans les forêts sombres, à travers les vastes plaines, sur les collines, elle les chercha. Bientôt, elle fut au désespoir. Quelque temps après, Saint-Nicolas vint à passer. Devant le logis du boucher, il suspendit sa marche. Quel crime a-t-on commis ici Boucher Boucher Sers-moi la viande qui est dans ton saloir À ces mots, le boucher s'enfuit, épouvanté. Saint Nicolas s'approcha du saloir. Il étendit trois doigts. Petits enfants qui dormaient là, réveillez-vous! En s'éveillant, le premier dit J'ai bien dormi. Le second Et moi aussi. Le troisième répondit Je me croyais au paradis. Depuis ce jour, les enfants craignent le père fouettard qui menace les petits de son terrible fouet mais ils aiment le bon Saint Nicolas qui veille sur eux.